Bonjour à tous, c'est Saturne 110, on se retrouve pour Spy Fox SOS, opération SOS Planète. Et la dernière fois, j'avais bien galéré pour attraper de simples godasses, alors que c'était tout ça. Voilà. Allez, hop, tiens. Voici une paire de chaussures de bowling. Je peux avoir ces palmes, champion? Ouais, d'accord. Quoi? Il n'y a ni lac ni océan à moins de 1000 km. Qu'est-ce que vous comptez en faire? J'aime bien mettre des palmes et me faire passer pour un canard. Oh, il faut tout pour faire un monde, je suppose. Tiens, le... crétin. C'est ça qui est drôle. Allez, c'est bon. Pour avancer, on va aller au lac. Ben, y'a non. Tiens. Monsieur Grenouille. Hop. J'ai trouvé une paire de palmes. Est-ce que je peux utiliser votre tenue de plongée maintenant, Alain? Bien sûr, Spy Fox. Vous savez, je disais ça pour la sécurité et tout ça. Naturellement. Dès qu'il est question d'eau, la sécurité passe avant tout. Ok. Ok. Attendez. Attendez. C'est bon. C'est vrai? Qu'est-ce qu'il y a pour tout? Tu vas même pas si cette tenue. Ils sont débiles. Mais qu'est-ce que c'est de vie, franchement? Débile. Me voilà prêt à faire un peu d'espionnage sous-marin. Attends, c'est pas fini. Ah, ouais, sont où les palmes? Non. Okay. Tranquille, sur ça, t'es derrière son dos. Pas de problème. J'ai rien dit. Ces inscriptions pourraient bien être une sorte de code. Quoi? Comment tu peux parler sous? C'est pas possible. J'ai compris. Oh, oh, tac, tac. Ok, c'est donc ça. Cette tenue de plongée n'est pas très souple, mais je n'ai pas l'intention de me promener avec partout. Enlève-toi. J'ai compris maintenant. Ah. La manœuvre discrète d'espion numéro 37 a fonctionné à la perfection. J'ai réussi à franchir ce garde. Donc, la porte est ouverte. Allez. Remets ta tenue de plongée là, qu'on rigole. Hop. D'accord. Parfait. La porte est ouverte. Maintenant, je peux entrer et réquisitionner un peu d'argile. Ce doit être ici que Vénus se procure son argile de beauté. Mais il fait trop sombre pour distinguer quoi que ce soit. Il faut que je trouve le moyen d'éclairer cet endroit. T'inquiète. C'est super aidé. Le composé phosphorescent de la pastille de menthe de Quack a fonctionné à la perfection. Cette pastille de menthe éclaire toute la salle. Et j'ai trouvé ça très rafraîchissant. C'est l'argile de beauté de Vénus. C'est l'un des ingrédients importants dont Tournik a besoin pour fabriquer sa pilule coagulante. Toutes les argiles de beauté se ressemblent dans la lueur verte de la pastille de menthe. Peut-être celle-ci est-elle la bonne. Ah merde.
Parce qu'en plus, il faut regarder c'est quoi la mode. C'est la liste des ingrédients de la pilule coagulante. C'est pas la bonne. Je n'ai besoin que d'une dose d'argile de beauté. Je vais jeter celle que j'ai déjà. J'espère que cette argile est celle dont Tournik a besoin. C'est la liste des ingrédients de la pilule coagulante. Je dois en... J'ai l'échantillon d'argile de beauté, terre d'ombre très grossière. Maintenant, il faut que je la porte à Tournik. C'est bon. Je ne peux transporter qu'une dose d'argile de beauté à la fois. Je vais me débarrasser de l'argile que j'ai déjà. Peut-être que cette argile rendra la pilule coagulante plus jolie. Ah. C'est vrai qu'effectivement, il y a une forme à respecter. C'est la liste des ingrédients de la... Peut-être qu'il y en a une à respecter. Attends. C'est quoi ça? C'est de l'argile de beauté. C'est la liste des ingrédients de la pilule coagulante. Je dois encore apporter à tout... J'ai l'échantillon d'argile de beauté, terre d'ombre très grossière. Maintenant, il faut que je la porte à Tournik. Bon, c'est ça. Il y a quelque chose à dire. On va essayer. Si on voit, de toute façon, on le sait. Hop. Voici l'argile spéciale que vous aviez demandé, Tournik. Oh, je suis désolé, monsieur Spyfox. Ce n'est pas l'argile souhaitée. Vérifiez la texture et la couleur indiquée sur votre liste. C'est la liste des ingrédients de la pilule coagulante. Je dois encore apporter à Tournik un échantillon d'argile de beauté terre d'ombre très grossière venant du fond du lac. Qu'est-ce que ça va faire, quoi? Non, j'ai le monde à sauver. Non, c'est pas une boxe. Allez, retourne la chercher. Ça, tu veux pas que tu fermes ta bouche. C'est bon. Allez, putain, t'es pêche, mon gars. Ah. Alors, je ne peux transporter qu'une dose d'argile de beauté à la fois. Je vais me débarrasser de l'argile que j'ai déjà. Je vais essayer cette argile-là. Est-ce que par hasard, ce serait pas celle-là? Je vais jeter l'argile de beauté que j'ai déjà pour en extraire une autre dose. Est-ce que ce serait pas ça? Peut-être que cette argile rendra la pilule coagulante plus jolie. Est-ce que ça pourrait être ça ou bien ça? J'espère, sinon j'ai... C'est la liste des ingrédients de la pilule coagulante. Je dois encore apporter à Tournik. Oui, je sais ça. Ah, ça se trouve, c'est ça. On va essayer. C'était peut-être un indice. J'ai cru qu'il y avait un indice.
c'est ça. L'indice, j'ai pris là où il y avait le truc jaune. Bon bah, c'est ça. J'espère. J'espère que c'est ça, parce que si c'est pas ça, j'ai pas fouillé 1000 ans. Hein. Voici l'argile spéciale que vous aviez demandé, Tournik. Oh, je suis désolé, monsieur Spyfox. Ce n'est pas l'argile souhaitée. Vérifiez la texture et la couleur indiquée sur votre liste. Tu me casses une tête, là, c'est bon. C'est ça, là. Putain, je dois fouiller chaque périmètre, là. Faut que ça ferme, moi. Non, sérieux. Tais-toi et prends-le. Désolé, c'est pas ça. Allez, retrouvons la fille. C'est deux fois déjà. Tu veux que je fasse quoi là? J'ai là. Je vais jeter l'argile de beauté que j'ai déjà pour en extraire une autre dose. Peut-être que cette argile rendra la pilule coagulante plus jolie. Je n'ai besoin que d'une dose d'argile de beauté. Je vais jeter celle que j'ai déjà. Je vais essayer cette argile-là. Autrefois, j'ai joué du banjo. Mais j'ai vite arrêté parce que... J'ai compris, je sais où il faut aller. Il y a un indice, forcément. Il y a un indice quelque part, c'est vrai. Moi, je suis pas attention. Je prends au hasard, ça va aussi. Normalement, si je me trompe pas, il y a ce qu'il faut. Très grossière, s'il vous plaît, non ? C'est la liste des ingrédients de la pilule coagulante. Je dois encore apporter à Tournik un échantillon d'argile de beauté terre d'ombre très grossière venant du fond du lac. Alors, j'aurai... Terre d'ombre très grossière. Très grossière. Terre d'ombre. Putain. Il est là. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Ok, c'est le quatrième et le deuxième. Ok, je vois aussi. Je vois aussi, je vois aussi. Putain, mais quel abruti fait, regardez la liste, c'est tout. Voilà. C'est au pif. Bien joué, ça, tu vois, bravo. C'est au pif. Non, je sais où. Maintenant, il est là. Ici. Et c'est là. Je vais jeter l'argile de beauté que j'ai déjà pour en extraire une autre dose. Sauf que là, c'est la bonne. Je vais essayer cette argile-là. Ça va être ça. Parce que vraiment, c'est... 1, 2, 3, 4, 1, 2. Mon grand-père disait souvent, une pièce dans la main n'est rien de plus qu'une pièce. C'est pour ça qu'il fallait partir plusieurs trucs, et moi, je n'ai pas regardé le palais. C'est pour ça que... Voilà. J'ai de la merde. C'est que maintenant, j'ai trouvé un seul. On va y aller, ouais. Cette fois, c'est la bonne. Parce que oui, Saturne, tu apprends à regarder. Peut-être que ça irait bien, non ? Allez. C'est parti. On va ramener la terre d'ombre grossière à machin, là. On va faire son truc en 2-2, là. Quel abruti, quel abruti, il apprend à regarder. C'est bon. J'ai trouvé ce que je voulais. Hop.
Voici l'argile spéciale que vous aviez demandé, Tournik. Parfait, Monsieur Spy Fox. Voici l'ingrédient final. Je peux maintenant achever la pilule coagulante. C'est quoi, c'est pompé, Toron? Oula. Non! Tenez, Monsieur Spy Fox, vous devez jeter cette pilule directement dans l'aérosol qui se trouve dans le satellite pulvérisateur. Elle est très instable et je vous conseille de ne pas traîner dans le satellite une fois que vous aurez jeté la pilule. Compris. Jetez la pilule et filez au plus vite. Ça va. Vous feriez mieux d'emporter ceci, Spy Fox. C'est un couteau suisse d'espion. On y trouve une fourchette et un cure-dent. Voilà qui me sera utile si je dois dîner sans couvert. Il contient aussi une pince coupante ultra résistante en alliage de chrome capable de découper le métal. Merci parce que ça va être très utile. Eh oui, très utile. Je vais occuper cette... galore de malheur. Let's go. Cette fois, le toré galore. Oui, s'il te plaît, merci. Non, c'est un super périple. Arc! Vous parlez d'une coiffure de mauvais goût! C'est débile, tout ça pour la coiffure. Voilà. Des potes m'ont plus jamais. Non, on va plus loin. Non, on va là. Vénus Galore, c'en est fini de votre tentative d'élimination de l'ozone. Quoi? Je ne crois pas. Si t'avais pas parlé, espèce d'idiot, s'il te plaît. Vous n'étiez pas non plus très bon au bowling, très cher. Mais qui êtes-vous, au juste? Fox. Spy Fox. Et au nom de Spy Corps. Je vous place en état d'arrestation. Pas aujourd'hui, mon renard. Je dois vous avertir que je suis un expert en machin truc fou. Saleté. C'est très fort, machin truc fou. Ce filet d'acier va vous mettre hors d'état de nuit. Bon, maintenant, je vais pouvoir terminer mon complot cosmétique. Eh bien, me voilà coincé dans un filet d'acier cette fois. Il faut que je sorte de ce filet d'acier et que je récupère la pilule coagulante. T'inquiète. Oh, pourquoi tu te donnes ça? Le couteau suisse de Quack contient peut-être de quoi me faire sortir de ce filet. Oui. Et peut-être que ce cure-dent me permettra de m'extraire de ce filet. Eh bien, il ne reste plus que la pince coupante ultra-résistante en alliage de chrome capable de découper le métal. J'espère qu'elle fera l'affaire. Ça a marché! Maintenant, il faut que je récupère la pilule coagulante. Je suis content que ce ne soit pas le jour des poubelles. Cette fois, je serai super furtif pour la lancer dans l'aérosol. Évidemment, ici qu'on va s'arrêter.
merci à tous d'avoir regardé. Et à bientôt pour la suite.